Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo survie. On va parler de Jaws of Extinction. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo que j'hésitais à vous présenter car malheureusement je tourne extrêmement mal le jeu. Donc, la faute à mon PC pourri, mais également au jeu qui est quand même plutôt mal optimisé. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2019, donc en Early Access, qui est toujours. En Early Access, qui est toujours mis à jour, puisqu'au moment où je vous parle, il y a eu une mise à jour hier ou avant-hier. Donc c'est pour ça que je me suis décidé de le tester un petit peu. En plus, il était en promo à 8 € et quelques là, donc je me suis dit, allez, arrête, c'est le moment, achète-le pour voir ce que ça vaut. Alors du coup, je l'ai testé très rapidement pour voir, faire des réglages, etc. Donc vous allez voir, je vous préviens tout de suite, et je m'en excuse, ça va être hyper moche. Voilà. Une fois qu'on le sait, ah, ce qui est dit est dit. Donc ce sera un jeu qui sera aussi bien solo que multijoueur, donc pour l'instant solo. Comme Anne. Ouais, je me fais pitié de soleil avec mes blagues, je sais. Donc il y a des nouveaux persos, vous voyez, mais pour l'instant, je ne les ai pas débloqués. Donc je vais prendre Amy. Donc il y a une histoire à chaque fois, donc le jeu est complètement scénarisé. Donc je vais reprendre la partie que j'avais commencé. J'avais juste commencé le tout début. Bon, en fait, ça nous explique qu'on était dans une prison sur laquelle ils faisaient des tests sur nous pour essayer de trouver un remède à la zombification, hein, puisque c'est un jeu de zombies. Je l'avais pas encore précisé, mais c'est bien le cas. Et que finalement, il y a eu un assaut pour nous libérer, etc., etc. On s'est retrouvé inconscient et on s'est retrouvé dans un camp de survivants. Voilà. Je vous ai fait la version extrêmement courte. Ce que veut dire que j'ai lu rapidement. Alors, hop. Donc, par contre, très bien pour les yeux, ça va piquer. Alors, le jeu, il faut dire qu'il est extrêmement gourmand. Hein. Le jeu réclame en configuration recommandée une 2070. Une 2070, vous allez voir pour des graphismes qui sont niveau. PS, allez, fin de PlayStation 2, début de PlayStation 3. Je trouve que c'est pas très bien optimisé. Après, moi j'ai une malheureuse 1063 Go, c'est mon PC portable, donc forcément, ça, on est clair, qu'on est d'accord que je suis largement en dessous. Mais bon, ça n'excuse pas tout. L'optimisation sera à voir. Après, on sait que sur une Early, il n'est pas rare que l'optimisation soit aux fraises. Donc voilà, on arrive au début, donc on a été, comme je vous disais, sauvé, et donc on est dans une sorte d'hôpital mobile. Donc je vous préviens, ça va ramer, mais je peux rien y faire. Donc là, ça nous demande de trouver, de mettre des fringues qu'on avait près du lit. Donc c'est un jeu qui me semble particulièrement intéressant. Donc c'est du RPG, clairement. Hein. RPG survie avec des statistiques, enfin. Un peu. On voyait assez complet avec les buffs, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même, parce que c'est dommage de condamner un jeu sur sa technique. Surtout que mon PC est quand même pour quelque chose. Donc là, elle me demande d'aller prendre une douche. Voyez, ça s'améliore un peu. Bon, ça je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je sais ce qu'il faut faire. Ah, j'ai pas le savon, c'est vrai. J'ai pas ramassé le savon? J'ai vu pourtant. Ah, bah non, je l'ai pas ramassé.
Alors, pour vous, messieurs, qui vous poserez des questions, non, on peut pas lui retirer les sous-vêtements, car bien sûr, comme tous les gros pervers, j'ai essayé. Mais une fois qu'on assume, c'est mieux. Et là, on lave les sous-vêtements. Et malgré tout, vous avez vu, ils sont devenus blancs, mais on les a pas retirés. Non, mais on a beau être dans un monde de survie, il faut savoir rester pudique. Par contre, elle reste en culotte, quoi. Donc on peut se balader comme ça, s'en fout, elle est bien, elle est tranquille. Et en principe, qu'on peut ramasser. Donc on va avoir du craft, hein. Ça va être des choses qui sont extrêmement habituelles. Donc on est du classique, hein. Ce qui fait la différence plutôt, c'est qu'il est complet et c'est le fait qu'il soit scénarisé. Et on va quand même se rhabiller parce que bon, faut pas déconner. Mais bon, maintenant elle est toute propre. Donc là, il faut qu'on ait parlé au shérif. Ça nous dit où c'est, vous voyez, on a un écran avec l'objectif. Alors je sais que c'est dur à regarder, mais c'est dur à jouer aussi pour moi avec si peu de FPS. Là, je suis en médium en fait, vous savez, au niveau des graphismes, à peu près un peu moins de médium. Sheriff Sun. About time, Driftwood. We ain't got all day, so we're gonna squeeze all manner of foolishness into two shakes of a lamb's tail. My name isn't Driftwood. I must be hearing things because I could have sworn I just heard myself say we don't have time for this. First thing that needs doing around here is you gotta earn a buck. And I just happen to have one burning a hole in my britches for whoever fetches my lost bag for me. Come to think of it, Leighton Basti keeps lost bags in his shack. Now get. Donc en fait je peux avoir le choix en fait entre. Donc j'ai vu qu'on pouvait en fait soit effectivement suivre le scénario, soit faire carrément sa vie de survivance, pas de s'occuper de tout ça, là on va suivre un petit peu l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour l'instant les serveurs multi sont pas encore disponibles. Runner Shack is over by the main gate. Now go on, get. Donc là, vous voyez, ils vont me. Clairement, ils vont m'équiper. Hein. Donc je suis pas allé plus loin que ça. Je sais pas. Après, j'ai regardé des vidéos du jeu, ce qui m'a décidé à l'acheter. Après, je pensais pas qu'il t'en a si mal chez moi, mais. Donc je cherche le sac du runner. Non, c'est pas ça, c'est Driftwood. Ah, image, j'ai plein de trucs regardés à droite qui s'est affiché. Il m'a préparé un sac sympa, je arrive quand même, franchement. Alors, où est-ce qu'il est, machin truc? Il y a une carte qui est apparue. Here's your stupid bag. That ain't my bag. This bag, the one that says sheriff on it, this ain't yours? Nope, not mine. What game are you playing at? Driftwood,
Are you calling me a liar? I ain't never seen that bag before in my life. As sure as shooting didn't stash any valuables in it. Why are you helping me? Curiosity. I like that. But be curious later. Here's a buck for your trouble. Ma réputation augmentée vis-à-vis du shérif. Really? Well, what else would you call something that washes up on the beach? I mean, I could call you jellyfish or, I don't know, whale shit. But driftwood somehow had a more respectful tone. Really? Well, what else would you call something that washes up on the beach? You met Ken yet? He's a sorry sack of spuds running this gulag. You'll love him. You're gonna take that hard-earned buck and buy yourself a freedom of movement permit from him. You'll find said sorry sack of spuds sitting behind his desk in HQ playing with his red tape. Ken's HQ is the big gray house. He's the administrator of this safe zone. This is safe zone. He acts like a king. But safe zones don't work like that. And boy, does that ruffle his feathers. As long as you keep working, Ken has an obligation to provide refuge, and he can't turn you away as long as you don't give him a reason. Donc là, je me demande si je pourrais partir une fois que j'aurai le permis de sortir. I can leave once I get this permit. Yep, you're free to make your way however you like. J'allais vous faire une ellipse, mais finalement, on va continuer un petit peu. Alors. Meuble bien équipé. Weapon blockade, ouais, parce que je suis en safe zone sûrement. Ouais, blockade avec mon accent anglais. Parce que moi je crains de gain. Non, je suis pas du sud non plus. Mais c'est pas grave. Quand je dois tirer sur des zombies ou des ennemis, ça va être chaud. Après, je pense que le jeu doit être joli quand on a un beau PC. Enfin, j'ai regardé des vidéos, ouais, le jeu est joli quand on a un bon PC. Ken. Il y a Barbie à l'étage. Ils font des... La paperasse, oui. Non. Il n'est pas là. Non. Non. Bah, je sais pas où il est. Peut-être qu'il y a un horaire à respecter. Je crois que j'ai vu à un moment qu'il y avait une heure dans le jeu. Non, c'est pas là. Allez. Comme je suis gentil et que je vous aime bien, je vous fais une ellipse. Voilà, donc effectivement, c'est une question d'heure, manifestement. Parce que là, j'ai fait un petit tour et il est revenu. Je me demande pourquoi je suis habillé comme ça, bah en même temps. Si avec moi je pourrais. Mais bon, mais j'ai pas hâte d'avoir mon truc pour sortir. En même temps, j'en ai profité pour vous faire un petit tour. J'ai vu qu'il y avait un. Il y avait un forgeron, qu'il y avait un mec qui donnait des chevaux.
moins de blabla, parce que c'est bien, ça côté positif, mais. Le mec qui me dit que je me réveille depuis plusieurs jours, j'ai pas été utile. En même temps, j'étais inconscient, il est pas très sympa. Il me dit que j'arrive pas, je peux avoir le permis, mais en fait j'ai dit que j'ai fait un boulot, ce qui est pas vrai, mais c'est juste que j'arrive, me le fait faire. Voilà. Hello again. What can I do for you? Certainly is. Always plenty to do around here. We set up a notice board by the front gate. Helps us keep track of all the jobs we need done. You should check it out. I know folks around here will appreciate the help. Most will pay in bucks. We'll trade you something of personal value. You'd be surprised at what people are willing to give you in return for helping me. J'ai toujours des dollars, c'est vrai que ça peut rien dans un monde post-apo, mais bon. Bon, j'ai trouvé un petit boulot. Voilà, il fait jour. I had hit the road. Crossbridge needs these medical supplies. So how'd your little chat with our fearless leader go? I'm holding a permit with my name on it. They'll open the gate for you now. You're a member in good standing with Backwater Beacon. Let's see how long you can keep it that way. Seems like Ken has it out for me. Nah, let him grow on you. Only reason you're rustling his jimmies is because you're an unknown on a spreadsheet. And nothing scares Ken more than what he don't know. So, what now? Look, you're on your own now. Pick up some work and don't do anything reckless. If you're hell-bent on chaos or being stupid, I can't stop you. But I will have no regrets when it comes to hunting you down like a dog. Hell, I might even enjoy it. Hello. Guide journal. Là-bas, on a pas mal de quêtes manifestement qu'on peut marquer. Ah, il y a pas mal de. J'ai vu que la carte est très grande, hein, regardez. Ouais. On est sur une île. Ouais, c'est rigolo ça. Après, je sais pas ce qu'on peut visiter pour l'instant ou pas. J'ai vu que je regardais sur Steam qu'il y a des gens qui avaient déjà 300 ou 400 heures de jeu. Je me dis waouh. Dessus. Je vais peut-être diminuer un peu ma sensibilité de souris, c'est une catastrophe.
verra bien. Ah ouais, il fait beau, il n'aura pas fait beau longtemps, maintenant il pleut. Construction, non. J'ai vu un plan tout à l'heure qui me donnait pas mal de... Il faut d'abord que je sorte avant de prendre des missions. Donc ça c'est les chevaux dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais bien trouver la... pour la tenue. Blacksmith. Pour manger. C'est là qu'on m'a dit de peut-être avoir des... peut-être avoir une tenue un peu mieux que mon truc de prison. Ouais. Ils sont beaux mes trucs de prison, non? Je suis sûr que j'aurais été le voir en sous-vêtements, il m'aurait pas dit que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il m'a filé comme vêtement? Un masque. Un x 4. Ah, on peut crafter des vêtements avec des fibres. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Apparemment, il y a histoire de sport, ça ne m'aura pas s'occuper de ça maintenant. Oui, c'est mieux effectivement. Ouais, ça a un peu de gueule, j'avoue. On peut crafter pas mal de choses comme vous le voyez. Hein. Ça nous met ce qu'il faut. Enfin, c'est assez. Donc, pour faire des pansements, il faut des cloffes. Des cloffes, il faut. C'est la même chose ça. Non. Ça j'en ai. Pas de problème. Mais ça j'en ai pas. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. J'en trouverai bien. Allez, on va bouger. J'en peux faire un beau temps, non? Sachant que le jeu l'en fait exprès quoi. Comme il sait que je suis normand, il me dit il me fout de la flotte tout le temps. Tous les jeux me font ça. C'est fou, j'ai toujours du temps de merde. Donc, équipement upgrade, électronique, vous voyez, c'est assez complet. Maintenant, faut que je trouve la sortie. Ok. Bon, la sortie est tout droit, donc on va aller tout droit. Ah oui, ils ont mis à jour Halloween, donc du coup il y a des citrouilles. Bon, j'avoue que personnellement, ça c'est vraiment le truc qui me... Ah mais il refait nuit déjà. Ah mais c'est les nuits qui vont à une vitesse... Mais du coup je vois rien. Les choses dehors, vous entendez? Par contre, je vois rien.
Attendez, je rentre. C'est là-dedans que ça fait du bruit, non? Alors, caractère. Parce que vraiment, j'ai un arc, mais. Non, j'arrive pas à le mettre là. Comment je fais pour l'équiper? Je ne sais pas. Oula. J'essaie de lancer des trucs. Peut-être qu'ils vont m'en dire plus par là. Oui, alors on peut jouer à la manette. Ça aurait pu être une bonne idée. Alors, bow weapon, melee weapon, c'est 3. Donc, en théorie, normalement, je devrais avoir un. On va faire une petite sauvegarde rapide, tiens. Je sais absolument pas si ça a marché. Quick save F5. Ça me met rien quand j'ai plus sur F5, c'est pas grave. Mais c'est donc ça. Ça fait gros gros. Ah mais ils sont là, regardez. Ah, j'ai volé donc ça m'a diminué mon intégrité. Oh, super. J'arrive pas à équiper le couteau. Alors peut-être comme ça. J'y arrive pas. Je vais faire une ellipse pour vous. Voilà, donc j'ai dormi et du coup j'ai fait avancer le temps, on met 4h du matin. On peut sortir et qu'il fasse pas jour. Ouais, 4h du matin, un temps, je suis parti presque que c'était été, mais bon. On peut refaire un petit coup, c'est pas grave. Okay. 6h18, 6h du matin, il fera jour. On va dire que oui. Par contre, il pleut toujours, mais c'est vraiment un temps de merde. Allez, on sort. En fait, mon couteau, j'ai regardé, c'est pas une arme de cac, c'est pour ça que je peux pas l'équiper. La sortie, elle est là-bas. Il va falloir que je me batte avec mon arc et mes flèches. On va bien voir. On s'en va vraiment explorer un peu au pif, hein, pour le fun. Voilà. C'est un zombie ça? Oh, à mon avis, oui. Ça l'a pas tué? Pas un zombie. Pourtant, je dirais que oui. Non, peut-être pas en fait. Ah non, c'était le chasseur de monstres. Ah, il a deux flèches dans la tête. Oups. Je peux récupérer mes flèches. Pile the size of Nadir capital in our back pockets. You people don't know how to fight without your little beak.
Yeah, you don't know how to fight until you've been. C'est vrai que de loin avec ma gueule graphique, on aurait cru un zombie. Now she was a prize worth a fight. Ah, il nous saoule de là-bas. What? I didn't. Nor you. I used to be Bane. Ah, il a pas vu ses flèches. Who I am is not important. That beast. Bon, je sais pas, est-ce que vous me donnez une mission à faire? That smelly swamp monster needs to have its ass kicked. That's what. Infected! Those things are nothing. You hear me? Nothing compared to this bird. We nearly had her until Thanatos trapped her in that cage they have her in. Bloody Thanatos. Let's go and spoil things. Now you. You've been fighting those bastards. Get in there. All you have to do is collect the eggs. Have you not been listening at all? Gustava! For God's sakes, I've been telling you. Get the egg and take them to the facility in the bayou. It will give you an 8-digit code. You can get in. Bon, faut que je trouve les œufs dans le nest. Where else would you find a bloody egg, playful? In a nest! They're all over the place this time of year. Look around the lakes. You know where you'll see them. Bon. Listen, you go kill that bastard and come back here and show me. Ok, bon. Project Gustave. Ah, c'est un crocodile. Oui, il y a pas mal de choses à faire apparemment. On peut mettre des œufs dans l'incubateur. Gustave, il est emprisonné, sûrement par des humains. Donc je sais que le jeu est extrêmement riche, c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. Le code. Ok, donc j'arrive après, il faudra que je me batte contre Gustave. Bon, pour l'instant, vu que j'ai qu'un arc et des flèches. Bon, on va tuer le zombie qui m'énerve depuis tout à l'heure. J'entends pas toujours au même endroit. Bon bah tant pis. Allez. Bon, j'avance au hasard. C'est pas le principe de ce genre de jeu de toute façon. Ah tiens. Hey son, I don't really know my way around here. Well, if you follow the main road, it'll bring you right straight into my old turf. Lots of houses that have already been picked over, but there's still loot to be had. Qui me dit sur la route principale et visiter un peu les maisons, même si ça a déjà été fait. Digging through abandoned homes, I'm your gal. Well, since we're being honest, and you're heading towards evidence of a past regret, I have a confession and a request. I wrecked my squad car a few days ago. Got the firearms out, but one of my pistols is unaccounted for. I am 79% certain that I left it in the trunk. I may have dropped it in the grass. Things got a little touch and go. You have no idea where that pistol is, do you? Not even a little. En fait, il nous dit qu'il a eu un accident de voiture il y a quelques temps, qu'il est pensé que son pistolet était toujours dedans. Puis après, il dit qu'on est sûr à 90%, 80%, 70%. En fait, il n'en sait rien, quoi.
Et manifestement, je suis pas parti du bon côté. Bah, j'avais une chance sur deux. Quand c'est comme ça, je suis parti du mauvais côté, évidemment. Pas grave. On peut y aller par là aussi, a priori. Du fuel, oui, mais enfin bon. J'ai pas d'outils. Ce que j'ai dire, je mets où le fuel dans ma poche? Ah non, je peux pas, c'est bien foutu. On va fouiller cette baraque là. J'entends des zombies mais je les vois pas à chaque fois. Mais j'ai ma lampe allumée, c'est pour ça que vous voyez un reflet vert. Il y en a un derrière la clôture, je dirais. Il y a sûrement au moins un là-dedans. Mais il fait tout noir. Pourquoi il fait tout noir comme ça? Ah oui, c'est noir, noir. Ah, de là, c'est bien. Bah, je suis moyennement chaud parce que je vois rien. Pourquoi est-ce qu'on voit rien comme ça? Ah bah. Au secours, au secours, au secours. Mais aïe. Ah bah, je suis déjà mort. Ça a été rapide. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis fait défoncer à une vitesse. Bon. Petite ellipse pour vous. Ah bah j'ai pas besoin. Ça a été hyper rapide. J'étais parti vous faire une ellipse, mais en fait j'ai pas eu besoin. Et du coup j'ai tout perdu en théorie. Exactement. Ça c'est nice. Quand ils m'ont défoncé les machins, je m'attendais pas du tout. Bon, bah, je vais essayer de récupérer mon stuff. J'ai pas eu le temps de voir le machin passer, non, ça a été. J'entendais pas que ce soit si chaud. Faut dire qu'on voyait absolument rien dans la baraque. Bah, moi, ça fait vraiment survie. Hein. Bon, après, l'avantage, c'est que, bon, vu qu'on respawn. Ah, attends. Oh, bon choix. T'as du matos dedans. Y'a un truc là, j'arrive à le voir. Non. Un antivirus. D'accord. Y'a pas un. Un fusil à pompe sur le siège, non? Au tout hasard. Ah, bah y'a de l'essence, tiens. Bon. Je vais récupérer mon arc. La surpuissance de l'arc. Je suis même pas sûr que j'aurais eu le lapin. Je me demande même si c'est pas le lapin qui m'aurait tué. Mais. Pourtant, l'arc, c'est l'arme ultime dans tous les jeux. Si Storm était là, vous le confirmerez.
plein de jeux comme ça où c'était l'arme, c'était la K et tout, il y a un mec à l'arc qui one shot quoi. L'arc, l'arme ultime dans les jeux vidéo. Personnellement, je préfère le fusil de sniper, mais bon, c'est l'ancien joueur d'infestation qui doit parler ça. Bon, bah, c'est récupéré mon équipement, je suppose qu'il est par terre là où je suis mort. Le problème, c'est qu'il y a encore les zombies dessus, et il y a encore les zombies dessus, je viens de les voir. Je peux essayer de les fighter voilà, au point, mais ça va être chaud. Hein. J'aurais dû chercher le pistolet. Hein. Ouais. Oh putain, mais dis, c'est du zombie de compétition. Tu m'étonnes que j'ai pas pu le tuer. C'est mon sac, vous pensez là? Ah oui, je pense que c'est mon corps, ça, donc je vais pouvoir récupérer mon équipement, je pense. Alors attends. Ouais. J'ai raté mon tir, vous croyez? Et c'est du gros bestiau, ça, j'en oublie. Ah mais j'ai pas one shot. Oh oui. Quoi sickness? Ah je suis malade. Ah ouais d'accord, donc en fait ça, apparemment ils peuvent m'infecter, il faut que je trouve un cure. Je suis malade, impeccable. J'avoue que j'avais pas forcément besoin de ça, mais bon. Bon, je suis toujours malade, c'est dommage, ça avait l'air sympa. Je vais récupérer avec ça. Ah bah ça m'a soigné, parfait. Bon, je pense que c'était pas forcément la première, mais bon, ça marche. Bon bah je vais pas y aller parce que vous avez vu, on voit rien dedans. Hein. Ça vient sûrement de ma... Le fait que j'ai baissé les lumières et les ombres et du coup ça fait quand du coup on voit rien. Ah des fibres, je vais pouvoir crafter des soins. Ah ça loot hein. Un petit peu de craft. Crafting. Ok. Gling. Vous avez vu, je suis vachement mal bruit du craft. Oh, ça en fait 10 d'un coup. Bah, dis donc. Avec ça, on est bien soigné. Non, j'aurais voulu mettre en raccourci, j'ai pas forcément besoin de me soigner, mais... Enfin, j'ai peut-être pris des dégâts quand même, mais... Je sais pas si c'est moyen de le mettre en raccourci ou pas. J'ai envie de dire, je pense que oui, mais...
Mais je ne sais pas en fait. Peut-être pas. Je sais pas. Skill pour l'instant il est grisé alors. Bon, on aura au moins tué un zombie, c'est déjà pas si mal. Je ramasse des branches, je me dis que je dois avoir besoin pour refaire des flèches. Est-ce que je peux crafter des flèches? Oh, il y a un lapin. Bon, j'essaye. Oh oui. Et pourtant j'aime les lapins. Un de mes animaux préférés. Je peux pas le looter. Ah bah non, ah, c'est con, je pensais que j'allais pouvoir prendre de la viande. Ah, c'est dommage. Non, j'aurais pas tué petite bête. Non, non. Donc ça c'est des bouts de bois, comment je les craft? Alors des bouts des trucs ça pas de problème. Mais comment je craft ça? Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est, du bout de métal? Ouais, je pense. Ah, des flèches. Il me faut des plumes et sûrement des bouts de métal. Ok. Bon, on va chercher ça en même temps qu'on va explorer. En espérant que la nuit ne retienne pas sur le coin du museau. Je vois quelque chose là-bas, sûrement un zombie. Oula! Bon, ça va. On aura un pistolet, je pense. Ah oui. Ah, le problème, c'est que j'ai pas d'arme de cake pour l'instant. De gag, donc je vais mourir. Ah ouais. Non, mais. C'est tout comme. Ça, je me dis, je vais faire des bandages. Ah ouais, j'ai pas été implosionné parce que j'ai pas explosé sa tête du coup. Ah, j'ai des lockpits. C'est quoi ça? Y'a pas un craft basique pour faire, je sais pas, un couteau? Vraiment un truc hyper basique pour pouvoir. Non. Parce que ce serait pratique quand même d'avoir un truc pour taper. N'importe lequel des deux ferait bien l'affaire là. Ça, j'en ai plus assez, donc il faudra que j'en ramasse. Ça, j'ai 34 points de vie, non, ça soigne pas très bien. Ça, on est fait par 10, mais en même temps. Ah non, il y a encore un zombie devant. Ah bah j'en avais un truc comme ça pour...
Non, non, je veux pas le prendre. Bah, trop tard. Bon, bah, c'est pas grave. Ok, j'ai regardé comme tard, j'ai pu me taper la main, mais j'ai pas trouvé comment me remettre main nue. Dommage. Ah bah je découvre en même temps que vous, par contre j'ai vraiment trop de sensibilité. J'ai changé de souris parce que la mienne était... Elle fonctionnait plus, c'est pas une réussite. Le contrôle. Non mais c'était où j'y suis, ok, c'est juste que ça va pas... Bah non c'est pas là. Ah bon, c'était en quoi là? Ah ok. En fait, c'est plutôt facile de les tuer au point. Est-ce qu'on va le trouver ce pistolet? Donc la voiture du shérif. Ah bah il y a le pistolet. That wasn't hard to find, was it? I can see the pistol in the trunk. I dropped the keys somewhere nearby. I tried to herd him into a basketball court, but the bastards kept climbing the chain link fence. They chased me across the bridge where I opted for a tactical retreat into a school bus. Now, there's a difference between cowering in a school bus and tactically retreating into one. The only thing you need to know about is that I performed the latter. Un gros zombie qui arrive là-bas, c'est quoi ça? Ah non! Running low on ammo. I need to find some more ammo soon. Un d'expérience. On va essayer le pistol pour le plaisir, pour vous quand même, pour la vidéo. Running low on ammo. Ça l'a pas tué? Ça l'a pas one shot? I don't have much ammo left. Alors, je cherche quelque chose sur le cours de basket. D'accord, donc en fait, il sait pas exactement où il pourrait être.
les clés. On va s'arrêter là pour cette vidéo déjà assez longue hein, en soi. Donc bon, vous l'avez vu, hein, bon, comme je disais, techniquement c'est compliqué à cause de mon PC. Par contre, sinon, le jeu est vraiment très sympa, vraiment extrêmement complet, un vrai jeu de survie avec une ambiance, une histoire, le fait qu'ils ont fait l'effort quand même de le... Ah, il est en anglais, hein, mais vous avez vu qu'il est parlé. On sent vraiment toute une histoire, une recherche, un univers, plusieurs personnages à débloquer. À terme, il sera aussi multijoueur. Bref, moi j'aime beaucoup. Actuellement, je vous dis, il est en promo à 8€ sur Steam, moi j'ai acheté pour ce prix-là. Clairement... bon, j'ai dépassé de façon quoi qu'il arrive les 2 heures, mais je vais le garder puisque j'aime bien. Alors j'espère un jour avoir un PC un peu mieux pour pouvoir vous faire des vidéos, mais bon, ça, malheureusement c'est pas pour demain. Mais clairement, si vous avez un PC qui peut le tourner, je ne peux que vous le recommander. On s'arrête là. Donc, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à réagir en commentaire. Alors c'est pour me mettre que mon PC c'est de la merde, hein, ça je le sais, hein, c'est pas la peine. Hein. Parlez-moi plutôt du jeu ou quoi que ce soit ou n'importe quoi d'autre. Comme toujours, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi décider de soutenir la chaîne en prenant un sub, en cliquant sur rejoindre. Ça permettra d'avoir un meilleur PC à terme. Et puis ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut !